Bonjour, je m'appelle Thibaut Martinage et je suis technicien formateur chez AES Environnement. Nous allons voir ensemble à quoi servent les pictogrammes que vous avez sur votre écran. Sur votre display, il y a plusieurs données qui vont vous intéresser, je vous montre ça. Tout d'abord au niveau des rondes température. La température que vous retrouvez en haut précédée de l'icône thermomètre et la température mesurée par votre thermostat. Par exemple, si votre thermostat est placé dans votre maison, vous lirez à cet endroit la température qu'il y a à l'intérieur de votre logement. La température en dessous est la température de consigne que vous avez réglée avec votre thermostat. En fait, à cet emplacement, vous trouverez la température de chauffage que vous souhaitez ressentir dans votre maison. La température dans le nuage, en haut à droite, est la température qu'il fait à l'extérieur de votre maison. C'est la température mesurée par la sonde extérieure. Le logo, robinet et radiateur sont là pour indiquer que la machine peut fonctionner pour le chauffage et l'eau chaude. De temps en temps, vous verrez apparaître un icône de pompe à chaleur à droite de chacun de ces logos. Cela signifie que la pompe à chaleur est en train de fonctionner, soit pour faire du chauffage, soit pour faire de l'eau chaude.